On a refusé. Si, si, on a eu le pour il va pas qu'il y ait des gens. Non, l'électricité c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Zoshi. Plus les trains qui sont loin. Les parents aussi, les enfants aussi. Donc, ça, c'est 5. Donc, 5 carrés. Ça va, ça. On vous dérange un peu aujourd'hui. Non. C'est ça, mon travail. En principe, le prêtre nous avait autorisé aussi ce champ, à condition qu'on ait des dommages. Si, on a besoin de tank ici. Au niveau de tank.
C'est déjà. On va prendre la. Dans tout le site. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Simplement, c'est parce que si les gens étaient là pour le même moment. Aussi. Bon, pour regarder. C'est toujours dans le cadre de la mission de contrôle et d'éducation des fonds qu'on avait mis à la charge. Vous avez visité les sites où vont héberger les sinistrés et vous êtes aussi sur le deuxième site. Et votre mission s'inscrit aussi dans le cadre des contrôles de tous ces fonds. Justement parce qu'il y a un fonds qui était remis au génie militaire pour la construction de ces sites en faveur des sinistres d'éruptions volcaniques. Mmh. Et après les constats, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Vous les saurez. Mmh. Et un message, va évaluer. Un message à tous ceux-là qui veulent savoir beaucoup sur les fonds alloués pour la construction de, tous ces, de toutes ces maisons. Mais j'espère que si, comme je l'ai toujours dit, nous contrôlons, l'inspecteur général contrôle l'utilisation de fonds qu'on avait alloués à l'armée pour, par exemple, pour la construction de ces sites en faveur des sinistres. Comme il est venu, il a vu de ses propres yeux, il va évaluer est-ce que l'argent qu'on avait remis correspond, ou bien le travail effectué ici correspond à l'argent qu'on avait donné pour la construction de ces sites. Et ça, c'est pour la catastrophe naturelle. Les éruptions volcaniques, ce n'est pas pour la guerre. Non, ce n'est pas question de guerre. Ouais, l'armée, quand l'armée vient, nous parlons des armes en opération, y compris aussi la protection des populations. Aujourd'hui, la population, ces gens ici qui ont été victimes d'éruption volcanique. Mais c'est le génie militaire qui construit ces sites. Parce qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises pour que ces gens soient bien protégés aussi, pour leur morale aussi. Merci, mon major. Je vous remercie.
évidemment saluer l'équipe qui était conduite par le général Tankofort pour l'inspection. Ça a été loué, comme vous l'avez dit, et c'est tout le monde qui a loué ça parce que c'est une première expérience que nous avons vécue dans ce pays. C'est avec le nouveau régime que ça se passe comme ça. On veut faire le suivi de tout ce qui s'est passé, disons, pour voir ce qui a été fait, les faux alloués, disons, aux efforts de la guerre pour mettre fin à tous ces désordres qui se vivent dans la province du Nord Kivu. Ça a été fait, il y a eu des arrestations. Au moins une fois dans notre histoire, nous avons compris que même un colonel peut être arrêté. Ça n'a pas suffi parce qu'on nous a annoncé qu'il y a des généraux qui sont impliqués et qui seront arrêtés ici incessamment. Nous attendons. L'enquête a commencé à Kinshasa. Ça s'est poursuivi. Ça s'est poursuivi à Bouni, à Ituri, à Beni, ici à Goma. Il a été question aussi ici à Goma de la réalité sur les avancées des travaux pour la construction des maisons des sinistrés du volcan Nyiragongo. Ça fait partie, ça entre en ligne de compte les inspections, disons, voir comment les travaux évoluent. Et donc, aujourd'hui, on peut conclure que le président. Ce n'est plus une politique de la démagogie comme on l'a vu hier, mais évidemment, il y a une réalité. Le président promet, il fait le suivi, voir réellement ce qu'il a promis est en train de se réaliser parce que c'est lui qui fait. Il agit par ses services. Évidemment, on peut trouver qu'il peut agir, mais il peut y avoir des tournements. Mais ce qui a manqué à l'époque, c'était ce suivi-là. Mais aujourd'hui, on sait voir qu'il y a le suivi. Et donc, il agit, il envoie les gens sur le terrain pour agir, pour faire un travail. Et après, il y a un suivi. C'est pour faire appel à tous ces gens-là qui pensent que les choses n'ont pas changé, que maintenant, il y a une nouvelle réalité, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler et que les gens doivent se conformer. Vous trouvez que s'il y a des tournements pour les maisons qui étaient prévues, pour les sinistrés de Goma, alors les gens vont se retrouver à prison. Ça prouve que même les aides qui avaient été envoyées, ce n'est pas fini. Il y aura un suivi parce que je sens les gens se lamenter que non, ils n'ont rien vu. Mais vous voyez déjà, avec les maisons avec la construction des maisons pour les sinistrés, on commence par là et la suite, ce sont les aides. Alors, certainement, on a annoncé, il y a certains sinistrés qui se plaignent. Et ils disent que leurs assistances du gouvernement sur le Front National a été détournée. Et du coup, le général Amis Gabriel Tankofort passe pour se plaigner dans la situation. Est-ce que ça montre que vraiment le chef de l'État, Félix Tshisekedi, tient vraiment fort, qu'il y ait transparence dans la gestion des choses publiques? Merci. C'est d'abord. Aujourd'hui, son slogan fétiche, l'état de droit. Quand il parle, il doit réaliser. Quand il réalise, il doit faire le suivi, voir si la matérialisation quoi. Et donc, c'est ce que je disais, c'est un changement. Nous sommes maintenant dans ces vagues-là où la justice doit faire son travail. Où la justice doit peser sur la politique même. Parce que la politique a sa manière de travailler, donc vous voyez les gens détournés, ça passe inaperçu. Mais la justice vient recadrer les choses. C'est voilà le rôle même de l'inspection. Ça ne commence même pas avec Goma, c'est dans tous les secteurs de la politique où l'inspection est en train de se faire avec l'IGF. J'ai vu l'équipe être accompagnée par certains membres de l'IGF qui sont venus faire le travail. Aujourd'hui, le peuple doit se rendre compte qu'ils ont un président qu'ils demandaient. Ils ont quelqu'un qu'ils attendaient pour la gestion de ces pays. Alors, avec un programme, avec des promesses, mais avec la matérialisation. Bien sûr, ce n'est pas tout, on attend plus parce que la question de l'état de siège, la question de la guerre n'est pas encore vidée, mais on voit déjà, ça donne espoir quand il y a un suivi, voir ce qui s'est passé. C'est une évaluation quoi? Est-ce que ce que nous avons mis sur
à la disposition des militaires a été respectée ou soit est arrivée à la destination. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de sinistrés ont des difficultés. Ils disent non, maintenant on nous a promis qu'on va construire. Voilà, nous sommes encore à l'extérieur, mais il est venu redonner l'espoir aux sinistrés, montrer que non, nous sommes en train de faire le suivi. Et voilà, la question trouvera réponse incessamment. Et c'est ce qui est en train de se faire. Alors, on peut dire aujourd'hui que quand on voit cette façon de faire du président Tshisekedi, on peut dire que le chef de l'État veut gouverner autrement. Évidemment, c'est une façon de gérer autrement parce que tout le temps-là que nous avons fait l'opposition, nous avons décrié à la mauvaise gestion. Je pense qu'il sera honteux que... Il y a toujours cette mauvaise gestion quand même, malgré l'arrivée du président Félix. Oui, ce sont les individus, mais ce qui compte, c'est la vision du président parce qu'il veut tenir à sa mission. Les individus peuvent subir, disons, des sanctions, la rigueur de la loi. La loi édique autrement. Je pense qu'avec l'homme que nous avons, parce que le Congo avait besoin d'un homme. Cet homme aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui vient ramener tout le monde sur les rails. Mais on a connu plusieurs chefs de l'État, comme Kabila aussi, qui a fait de son mieux. Vous voulez dire qu'il n'a jamais été cet homme-là que les Congolais voulaient avoir? C'est la différence avec ce que nous avons aujourd'hui, parce que la différence c'est que à l'époque de Kabila, le détournement c'était une règle, c'était un mode de gestion. Donc la politique pouvait se définir par l'enrichissement. Un poste politique, c'était un poste égisté où tout le monde devait convoitiser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est que entrer en politique, si vous êtes cupide, et donc vous vous attendez à la prison. C'est ce que nous sommes en train de connaître. C'est ce qui va ramener tout politicien à son objectif, à ce qu'il doit faire. Ça, c'est une grande chose que les gens semblent ignorer, mais c'est un tout pour ramener les politiciens sur les rails. Je pense que c'est une nouvelle gestion. Bien sûr qu'il y a des individus qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé. Ils ont encore les séquelles, ce sont les vertiges du régime Kabila. Nous sommes avec eux parce que c'est aussi la mentalité. Mais aujourd'hui, nous voulons changer cette mentalité. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu le président déplorer la justice, dire que la justice n'a pas encore convaincu, qu'il attendait la justice faire mieux. Et donc, ça veut dire que l'état de droit, c'est la réponse aux attentes de la population. Parce que nous avons revendiqué qu'à un certain moment, qu'on cesse avec le détournement, qu'on puisse travailler à l'intérêt supérieur du peuple congolais. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Les gens pouvaient faire pour leur intérêt propre. Mais ça se voit toujours pendant même ce régime de Tshisekedi. Évidemment, on est en train de déplorer ça, mais il y a un changement quand même. Parce que tous ces gens-là qui ont volé hier, qui sont en train de voler, ils savent que leur place est à prison. Ça, nous sommes convaincus. Si vous demandez un peu partout, même ceux qui ne comprennent pas, ceux qui veulent montrer la mauvaise foi, ils vous disent que non, c'est un régime pour... il est en train de marquer dans l'arrestation. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Ce sont ces arrestations-là, évidemment, qui essaient de ramener les gens. La loi intimide. La loi fait peur. Et quand vous avez peur, vous vous conformez aux règles. Mais évidemment, les politiciens, c'est qui? Ça veut dire que l'éducation, nous l'avons ratée ici dans la société même, parce qu'on ne peut pas être un bon politicien si on n'a pas été un bon citoyen. C'est là où vous verrez que tous ceux qui sont au pouvoir, parce que nous, ici, la classe, cette classe ici sociale qui n'est pas politique, c'est le réservoir même des politiciens. Et donc, ces gens-là sont les prototypes même. Et donc, si la société n'est pas éduquée, alors nous aurons de tels problèmes. Évidemment, il y a de ces gens, des personnes, mais je pense qu'avec la rigueur de la loi, alors il faut plus faire la politique, il faut faire autre chose, parce que sinon, demain, ça sera la prison. Peut-être la dernière question avant qu'on finisse avec cet entretien exclusif que vous nous accordez. On peut dire que dans votre cas, l'IDPS, ou en général la population du Nord qui vous... elle est contente du passage de l'inspecteur au Nord Kivu, surtout avec ses résultats palpables et signalés.
évidemment, c'est tout le monde qui est en train de chanter la victoire du régime avec ce qu'ils ont vu, voir que les gens peuvent être arrêtés parce qu'ils ont détourné les frais des militaires. C'est l'espoir aussi pour dire que alors l'état de siège va réussir, mais aussi pour les sinistrés qui voient qu'il y a eu suivi pour que leurs questions trouvent une réponse. C'est la population, au moins qui a déjà de mauvaises foi, c'est toute la population. Évidemment, quand vous passez un peu partout, ils vous disent peut-être autre chose n'est pas encore fait, mais on voit d'abord, on voit quand même qu'il y a espoir. Demain ou après-demain, ils aspirent à d'autres choses que leurs attentes trouvent aussi réponse, parce que c'est déjà un signe très, vraiment marquant. Et tout ça, c'est dans les bilans de Tshisekedi. Évidemment, tout ça c'est dans les bilans de Tshisekedi. Il a des passifs, il y a aussi des actifs. Et vous vous réjouissez de cela, je pense. Nous réjouissons. Parce que vous soutenez les chefs de l'État. Oui, pas comme IDPS, mais attaque et citoyens congolais, parce que c'est pour cette raison que nous avons fait la rue. Nous avons chassé Kabila. Si on ne fait pas ça, alors il fallait demander pardon à Kabila. Et nous sommes en train de... disons, parce que c'est le président de la République qui est en train de nous honorer. Je suis fier de dire que je suis de l'IDPS, parce que je suis honoré par ce qu'il est en train de faire. C'est ma justice, quoi. Je suis en train de me réjouir, parce que quand je passe dans la société, on me dit que c'est ce qui nous manquait. Mais un grand nombre de Congolais, de testeurs aujourd'hui, la gestion de l'IDPS, vous laissez à faim. Évidemment, sur d'autres domaines, on se dit que le social n'est pas amélioré. Avant que la guerre ne prenne fait, les gens ils ne détestent pas, mais ils appellent plutôt le président Tshisekedi, disait de tous les moyens pour répondre aussi à ce qui reste à faire. Ce qu'il est en train de faire, on essaie d'applaudir. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'avec ce nouveau gouvernement qui n'a fait que 100 jours, on attend évaluer encore la suite. Je vois leur détermination. Je pense que ça donne confiance. Nous espérons quand même. Il y a une accalmie dans les chefs de la population. Ils aspirent à beaucoup de choses qui sont meilleures à leur faveur. Merci, monsieur Gédéon, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie.